Dont de CUNET a tenu hier une formation sur le leadership, l'entrepreneuriat des jeunes et le développement personnel. Il s'est agi pour ces professionnels du commerce de réseau de mieux outiller ces jeunes sur les opportunités d'emploi dans le secteur. Sékou Edraogo, Mariam Salomé, Bayala. Plus de 3 000 jeunes formés sur les nouvelles formes du commerce, de marketing, de réseau. Venus des 13 régions du Burkina et de la sous-région, ces hommes et femmes ont été outillés sur les métiers de l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel. Une activité qui vise à promouvoir l'auto-employabilité de ces jeunes en général et en particulier le marketing des réseaux. C'est une formation en leadership, en développement personnel, et c'est une formation aussi qui permet, en fait, qui forme des entrepreneurs. Et vous avez dans la salle ici ces milliers de personnes, ces milliers de jeunes-là, qui vont devenir des entrepreneurs et qui commencent à partir de rien du tout, à partir de zéro connaissance en entrepreneuriat et que nous devons porter jusqu'à ce qu'ils deviennent des grands entrepreneurs. Voilà, et que notre pays en a besoin. Et ça va les faire sortir de comment dirais-je, les comportements de la jeunesse que vous voyez. Que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, je suis sûr que ceux qui sont venus dans cette salle-là, ils seront différents de ceux qui sont restés, qui ne sont pas venus dans cette salle. Au cours de cette journée de formation, plusieurs thématiques relatives au marketing du réseau seront abordées par des experts du domaine. Il s'agira aussi pour ces professionnels du marketing du réseau de présenter aux participants des opportunités qu'offre cette nouvelle forme de commerce en ligne. Aujourd'hui, partout où je voyage, je dis à tout le monde, c'est le meilleur business sur la terre qui permet à toute personne de devenir entrepreneur indépendant et créer son propre destin. Parce que c'est toi-même tu définis combien tu veux gagner, tu travailles en fonction de ça. Et c'est de dire aux personnes d'être courageux, persévérant, parce que ce n'est pas quelque chose où on peut. Bon, certains deviennent riches rapidement, mais certains aussi, ça prend du temps en fonction de nos différentes faiblesses. Et nous formons pour apprendre aux gens le métier du réseauteur. C'est comme l'école, il y a des gens qui acceptent, qui évoluent vite, il y a des gens qui s'attardent. Organisé par l'Association professionnelle des représentants indépendants de CUNET, Afrofrique, cette session de formation se veut également une restitution des travaux de séminaire international de formation exceptionnelle de Malaisie sur l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel. La cérémonie a aussi été l'occasion pour l'association d'exposer et de présenter aux participants les bienfaits des produits de CUNET.